Il y avait une vidéo de toi et moi en train de faire l'amour là. C'est quoi, c'est mon pantalon qui déconne, tu crois? J'ai trop de temps. Allez. Celle où t'es à poil sur ton mur. C'est bon, supprimé. Tu fais souvent des photos comme ça, hein? Alors déjà, je n'ai pas invité et c'est pas moi qui ai publié ce connard. Enfin, me niquer tout mon système. C'est peut-être, hein, j'en sais plein des trucs sur moi. Moi, j'ai passé tous mes messages, donc ça vient forcément. Tu publies des photos de toi à moitié à poil. C'est la preuve qu'il est en danger, faut le retrouver. Quelle photo? Je pense que vous, on vous savez personnellement. Ah, pourquoi Isabelle reçoit les mêmes textos érotiques que je t'envoie? Non, non, il a pris le contrôle, je peux plus rien faire. Bon bah maintenant que Paul s'est définitivement ridiculisé, je peux peut-être en passer une. Ah non, mais attends, on arrête là, ça suffit là, le concours de la pire blague de l'année. Non, 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 attends, non, non, mais c'est juste une devinette. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a tous réunis ce midi? Ah, non. Parce qu'on était seuls amis et que t'as peur de nous perdre. Pas faux. Mais non, mais pourtant pinard, bien sûr, pourquoi ouais, franchement. Non, 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 moi je crois savoir... C'est pour le premier procès gagné, Disa. Ah. Ceci dit, j'en attendais pas moins de toi. Merci. Par contre, t'es pas au courant, je te rachète ton cabinet dans 2 semaines. Non. Et voilà, elle est devenue inarrêtable, Disa. J'aimerais pas être l'avocat d'en face. Bon, bah, vous êtes tous recalés à ma devinette, donc je vous annonce... Qu'on a décidé d'arrêter de vivre dans le péché comme on fait depuis 20 ans. Non, on va se marier. Non. Oh, 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 à ce mariage, enfin. Je suis vraiment super heureuse pour vous. Puis à ta nouvelle carrière, hein. C'est vrai, Isa. Passer le barreau, changer de boulot à ton âge, c'est vraiment très, très courageux. Ah ouais, c'est vrai, c'est très, très courageux. Pas comme ceux qui restent employés de bureau toute leur vie, comme moi, par exemple. Arrête de te prendre perso, là. Il n'y a pas d'âge en plus pour se reconvertir. Ouais, moi, je crois que si vous voulez que je change, je serai strip-teaser. Oh non. Ah, j'ai failli me voir toucher aussi. Ok, donc j'annule celui de ce midi. Oh, on est d'accord. Non, non, non. Allez, vite les mariés. Merci, merci, mon pote. Ouais, encore, toujours. Ah, bah, oui. Peut-être un créneau à plaisir. Vous, ça fait un bail. Ouais, ça fait très bien. Bon, on va faire arrêter. Est-ce que tu connais la blague du procureur? Ne laissez pas parler. Ne laissez pas parler. Je dirais rien si tu me files une tarte. Merci. Merci. Et Anne, elle a une bonne descente, hein. Ça fait au moins une bouteille, elle toute seule. Je suis tellement heureux pour vous, les amis. Quelle belle nouvelle. Ah, ça met du baume au cœur, hein, parce que là, entre la crise d'ado d'Hugo interminable et ces pistes que j'en peux plus te faire... Non, mais t'inquiète pas, moi, je suis sûr qu'ils vont te donner un vrai poste. Hein. Parce que moi, tu fais ce que t'aimes. Ah, c'est mon strip-teaser. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe avec Anne? Ça va pas trop? Disons qu'en ce moment, elle aime bien faire la fête. Mais vous essayez toujours de faire un deuxième enfant, non? Oui, on essaye. Ça marche pas. On s'en fout. L'important, c'est vous aujourd'hui. Quelle belle nouvelle. Je suis tellement heureux pour vous. Bravo. Merci. Ça? Ouais? Je vais vous retrouver le mail de confirmation. Des photos pour un déjeuner de fiançailles chez Monsieur Valorca. C'est bien vous, non? Oui, oui. Bon, moi, j'ai jamais envoyé de mail. T'as contacté un photographe pour aujourd'hui? Hein? Non? Pourquoi? Bah, je sais pas. Samy? Isabelle? C'est incroyable. C'est pas vrai, ça fait 25 ans, non? Et tu vivais pas en Corée? Bah oui, mais je suis revenu en 2015, je me suis réinstallé ici. Je suis toujours photographe. Ça, c'est super. Bah, je te présente Eric, Samy et Eric, on est au lycée ensemble. Bah, enchanté. Mon futur mari, enfin, avec qui je vis depuis 20 ans. Et... enchanté. Enchanté. Bah, je sais pas, on va boire un verre, hein. Viens avec nous. Non, non, c'est bon, je vais pas vous embêter pendant votre repas. Mais tu rigoles, quoi. Il y a Florian, en plus, il va halluciner. Florian? Ouais. C'est pas vrai. Mais si. Vous êtes restés amis? Bah oui, on s'est pas quittés.
Là, j'ai trop bu, moi. Non, attends, bouge pas. C'est moi qui squatte ta chambre. Pardon. Si on prend du café. Non, tu me dis, hein, sinon il n'y a pas de problème. Ça, c'est. Samy, vu que t'es venu pour ton matos, tu voudrais pas nous prendre en photo, s'il te plaît ? Non, arrête, laisse-moi. Ah, si ! Bah, ouais, bien sûr, pourquoi pas, vu que je suis là. Allez, photo. Ça me dérange pas. Très bien, photo, tout le monde en photo. Ah, il faut immortaliser ce moment quand même. Oui, quand même. Mettez-vous là. On se met dehors ? On sera mieux dehors, non ? Tu te rappelles demain, toi ? Samy, on se met dehors ? Non, non, on va faire ici, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord, bah, c'est toi le professeur. Ok, on se met au milieu. Très bien. Ok, super, ok. Tu t'attendais à quoi en fait? Mais arrête avec tes longues. Arrête d'essayer de trouver des excuses en fait. Go, baisse la musique. Attends, coucou pas. Elle faisait quoi Anne dans ta chambre tout à l'heure? Quoi? J'ai vu Anne sortir de ta chambre, elle faisait quoi? Oh, Hugo, je vais poser une question là. J'en sais rien moi. On en reparlera plus tard. Ouais. Non mais il me fait trop chier, gars, je te jure. Il passe son temps à me fliquer, il est même pas capable de garder son taf, genre. C'était un carton cette journée, j'arrête pas de recevoir des gentils messages de tout le monde. Ouais, moi aussi. En même temps, ils peuvent être contents, on a vidé la cave. Avant, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a invité ton pote, là. Oh, je suis sûre que c'est Lucie. Attends, c'est la seule qui était au courant pour le mariage. Ça m'a fait drôle, quand même, parce que... Samy, il était super amoureux de moi quand on était jeunes. Ah, parce qu'en plus, j'ai un ex. T'es jaloux. Le pauvre. Et franchement, tu sais pourquoi il est rentré de Corée? Parce qu'en fait, sa femme l'a quitté. Il est arrivé ici, il avait plus rien, pas un rond. C'est dingue, quand même, hein, comme tout peut s'effondrer, comme ça. On s'en rend pas compte, quand on a tout... Surtout une bombe sexuelle comme futur mari. Le défaut d'un mec qui gagne bien sa vie. Ah, quand on parle du loup. Ouais, ma Lucie, ça va? Eh, merci pour le photographe, super idée. Isa, c'est quoi cette photo sur ton mur? Quoi, quelle photo? Celle où t'es à poil sur ton mur, t'es dingue ou quoi? À poil? Attends, de quoi tu parles là? Bah, celle que tu viens de poster, Isa. Merde! Je te rappelle. Putain, c'est quoi ce bordel? Bah, je te le demande. Il y a même déjà des commentaires, dont ton ex. T'as aidé chier, lui. Attends, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est mon portable qui déconne, tu crois? Merde, allez. Ça y est, supprimé. C'est bon. Et ça t'arrive souvent de faire des photos comme ça, là? Quoi? Non, c'était l'autre jour, en sortant de la douche. Une photo comme ça, pour toi, pour plus tard, je sais pas. Quoi, t'as pas m'approché ça, quand même? Ah, mais je t'approche rien du tout, moi, hein. T'invites ton ex, tu publies des photos de toi à moitié à poil. Je trouve même que je suis plutôt cool. Mais ça va pas, quoi. Je l'ai pas invité. C'est pas moi qui ai publié cette photo. Arrête, s'il te plaît. Ouais, je te crois.
cette association, d'accord? J'ai tout fait pour eux, tout, tout leur happening. J'ai fini en garde-à-vue, j'ai pris des risques pour eux, je suis obligée de vivre planquée. Et là, quoi? Ils me laissent tomber, je vais finir en tôle? Bon, on se calme, on va en parler dans mon bureau? Non, on n'en parle pas dans ton bureau. Parce que c'est à cause de gens assis comme toi sur leur cul si la planète, elle crève. Et c'est pas en m'agressant que ça va s'arranger. Allez, venez. Pourquoi tu m'as fait venir? Hein? Si c'était pour me dire tout ça, t'aurais pu me taper un coup de fil? Raissa, j'ai appelé le président de votre association, il m'a dit qu'il vous avait prévenu qu'il paierait mes honoraires en première instance, mais pas en appel. Mais on a gagné, putain! C'est pas ma faute, moi, si ces connards ils font appel. Ça, c'était un truc que tu devais prévoir. Je peux finir? Je l'avais presque convaincu. Sauf que là, il vient de me transférer votre mail d'insulte et maintenant c'est mort. Ok, donc c'est bien ce que je dis, toi, si tu me laisses tomber. Raissa, vous piratez les caméras de surveillance du plus gros abattoir de l'ouest de la France. Votre enquête pour Kaotera, ça a saccagé leur réputation. Ça a bien fait chier, hein, tous les lobbies de la viande, là, que le gouvernement soutient. Peut-être, en attendant, c'est leurs données personnelles que vous avez mises en ligne. Tu sais quoi, cette viande, elle était destinée aux 3000 écoles et collèges de ta région. Ça te fait pas plaisir pour tes gosses, ça? Si, bien sûr que si, je vous parle pas de ça, moi. Je vous parle de droit, de la loi. La loi que vous avez enfreinte. Eux, ils ont une armada d'avocats redoutables en face. Moi, je suis toute seule. Et j'ai besoin de temps, j'ai besoin de munitions. Et de la thune, c'est ça? Mais ça dépend pas que de moi, ça. Je suis salariée ici. T'as parlé de moi, ton mec? Eric. Il est journaliste, non? Ouais, fais pas cette tête, hein. J'en sais plein des trucs sur toi, c'est mon taf. Il peut écrire un papier? J'aime pas du tout le procédé. Je peux lui en parler. Mais c'est à lui de décider. Dis-lui de faire un article. Fais ça au moins. When I'm on the field, I do what I want. When I'm on the field, I do what I want. When I'm on the field, I do what I want. When I'm on the field. Putain. Oh, pardon. Désolé, monsieur. Je vous ai confondu avec mon meilleur pote. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ai cours que dans une heure, alors je voulais passer voir mon daron préféré. Bon. Dis-moi, je peux te demander des conseils pour la nif de mon rep? Je pensais lui offrir le même uniforme. Mais mec, tu peux, mais déjà, c'est un code couleur. Oh, j'avoue, le bleu marine, là, ça te va bien. Ça fait ressortir tes yeux. J'ai un peu envie de pêcher. Vas-y, dégage. Bon. Ça se passe bien, l'armée? Ça va? Non, mec, j'ai tous les butés. Y'a des meufs bien, non? Mec, y a pas de meuf. Et tu le sais très bien. Ouais, je sais, mais j'aime bien que tu le redises. Non, t'aimes surtout me faire chier, là. Ouais, 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 c'est mon activité préférée, mais... je veux dire... On s'est chopé avec Léna. Bah, c'est cool pour toi, mec. Ouais. Mais tiens, on fait un week-end chez elle dans 15 jours, tu viens? Non, mec, mon connard de père, il voudra pas. Déjà qu'il me colle au cul pour le bac, non? Comme si ça lui suffisait pas de me foutre dans cette prison. Là. Non, je te jure, j'en peux plus, j'ai envie de me barrer, là. Bien sûr, ouais. Monsieur Valorca, c'est quand vous voulez. Casse les couilles, aussi. Bon, allez, je te laisse. Vous êtes bien sur le portable d'Éric Valorca. Laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. Oui, chérie, c'est moi. Écoute, j'ai vu Florian tout à l'heure et ça va pas du tout, il est pas au top, là. Je pense que ça lui ferait vraiment du bien que tu l'appelles, si tu peux y penser. Bisous, à tout à l'heure. Tu manges avec nous ou... Non, je suis désolée, finalement, j'ai pas fini, je peux pas. Okay. Il faut que je te parle de Rai Sasaki, hein. Ça sera demain, parce que cet après-midi, j'ai une audience et j'ai absolument pas le temps. Salut.
Yo, yo, I hope we make it, fingers crossed, yeah, we got this. It should arrive soon, I always kept the same wish list. But I'll be speechless, tattooed a date on my wrist. But I'll be pissed, way too many years I've been waiting for this. And you'll be chilling at the top of the rooftop. Dollar, dollar bills, yeah, there's nothing that we can't cop. Murder every show, yeah, you gonna need a damn mop. Still at the moment that we open shop, I'm flying private to the country. Déjà ? Dernier rendez-vous annulé. Ah. Eh ben, dis donc. C'est pas la même ambiance que sur tes textos. Hein. Quel texto ? T'as eu Florian ? Ouais, j'ai eu Florian. Ça s'arrange pas du tout avec Anne. C'est pire en pire, même. On devait déjeuner ensemble, il a annulé. Essaye, toi, t'auras peut-être plus de chance que moi. Je vais l'appeler. Mais là, avec ces piges, là, j'en peux plus. Ça me prend plus de temps que de faire des enquêtes. En compte, ça va faire un an que je me suis fait virer de la rédaction, et là, il se passe rien. Là, je deviens dingue. Excuse-moi. Enfin, et toi, ça va? Ça a été ta journée plus efficace que la mienne? Efficace, je sais pas, mais elle n'est pas terminée. Et même que commencer. Mais on dirait que ça t'excite quand je te parle de mes malheurs. J'aime bien, vas-y, fais voir. Plains-toi pour voir. Bah, j'ai mal. Oh, c'est lourd. Oula, attends, ça, c'est ma zone pré-érogène, tu le sais, ça. Bon, vas-y, explique-moi, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu me promets, tu le dis à personne? Même pas aux potes, personne. Ok, ok, vas-y, dis-moi. Bon, en fait, il paraît que ma mère a trompé mon père il y a quelques années, quand j'étais petit, voire même avant ma naissance. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui connaît très bien mes parents, je... Et tu vois, ça tombe, cet amant, c'est mon père, en fait. Et la personne qui t'a dit ça, elle a des preuves? Non, mais ça expliquerait tellement de choses. Enfin, tu connais mon père, on se ressemble tellement pas. On n'a rien à se dire, on n'a rien à voir ensemble. On se comprend pas. Putain. Et tu vas faire quoi? Je sais pas encore. Je me dis que si je trouve ce mec, je suis sûr que j'aurai ma réponse. J'ai adoré ce que tu m'as écrit ce matin. Quoi? La flamme. Je peux jouer à rien contre Gardon. Tu m'as jamais appelé comme ça. J'aime bien.
vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais là? T'es encore sur Internet? Qu'est-ce qu'on a dit? Chérie, on a un deal, pourquoi tu fais aucun effort, sérieux? Allez, donne-moi ton tel. Vas-y, laisse. Pardon? Rien. Tu peux répéter ce que t'as dit là? Je t'ai rien dit. Bonjour, c'est Florian, vous êtes bien sur ma répondeur, laissez-moi un message. Ouais, Flo, je me disais qu'on pourrait peut-être déjeuner tous les deux. Hein, ce serait chouette. Chez Georges, comme d'hab. Tu me tiens au courant? Ciao, tu me rappelles. Je peux avoir mon téléphone? Bonjour papa, bonjour maman, bonjour mon fils. Je peux avoir mon téléphone, s'il te plaît? Tu t'excuses et après on verra. M'excuser? Attends, tu dis des trucs horribles à ta mère et tu t'excuses pas. Hugo, tant que tu vis sous notre toit, c'est nos règles, c'est d'accord? Donc, tu t'excuses. C'est bon, je m'excuse. Je peux avoir mon téléphone maintenant? Non, tu t'excuses vraiment! Mais je viens de le faire! C'est quoi cette merde? Bah, tu récupéreras ton téléphone quand tu te sentiras un petit peu plus concerné. Putain, sérieux? Bonne journée. Pourquoi tu t'énerves systématiquement avec lui? Déjà, c'est pas systématiquement, c'est pas vrai. Puis c'est compliqué pour moi en ce moment et lui, il arrête pas de me provoquer. Te provoquer? Non, nous provoquer. Attends, confonds pas sa crise d'ado avec tes problèmes de boulot, ça a rien à voir. Déjà, c'est pas qu'une crise d'ado. Hein. Je te rappelle qu'il passait des nuits entières à jouer à sa console et il m'a même piqué de la thune pour payer ses jeux. Bah, mets-toi à sa place, il est complètement paumé, il a perdu tous ses copains, il est dans un lycée où il est fliqué comme c'est pas permis. Et toi, tu lui prends son téléphone, c'est le cauchemar pour un ado. Ouais, mais en même temps, faut qu'il se calme. T'as vu comment il nous parle, là? Non, mais il doit certainement y avoir une autre méthode, mais bon. Bon, on en parle ce soir, je vais être en retard. Bonne journée. Et bonne journée. C'est moi qui vous fais marrer? T'es un pote de Chris, c'est ça? Ouais, et alors? C'est un bon pote? C'est quoi le problème, mec? Ok, c'est bon, arrête. Ta mère, en tout cas, respect. C'est quand le choper. Putain, c'est relou là, je vais être à la bourre. Alors que ça. Oh, ça arrive. Non, mais me regarde pas comme ça, il s'est rien passé du tout. Juste eu un coup de barre, j'ai été m'allonger dans une chambre, voilà, c'est tout. Non, non, pas une chambre, sa chambre. J'avais besoin de prendre l'air. Ok, j'avais un peu trop bu. Tu me crois vraiment capable de me taper ton fils? Pour te venger, ouais. Me venger de quoi? Quand j'ai mis fin à notre histoire, t'as pas menacé tout balance à Isabelle? J'étais malheureuse. Mais j'ai rien fait au final. Je passais à autre chose, tu sais, depuis longtemps. Ah, pourquoi Isabelle reçoit les mêmes textos érotiques que je t'ai envoyés à l'époque? Les mêmes! Quoi? Ma flamme. Y'a que toi que j'ai appelé comme ça. Elle a reçu le même texto, mot pour mot, je m'en souviens très bien. Attends, mais c'est qui lui envoie ça? Mais c'est ce que je te demande, ça vient de mon numéro, mais c'est pas de moi, donc c'est forcément toi. Attends, mais ça va pas ou quoi? T'as gardé ton téléphone de l'époque? Mais non, non. Parce que moi, j'ai effacé tous mes messages, donc ça vient forcément du tien. Attends, mais tu peux m'expliquer comment on pourrait aller piquer des textos sur mon ancien téléphone, les envoyer à Isa en faisant croire qu'ils viennent de toi? Excuse-moi, hein, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Paul,
Je voudrais te parler de Raïssa. Oui. Tu sais, j'ai réfléchi. Ça vaut peut-être le coup de la défendre, quand même. C'est un procès emblématique, c'est bien pour l'image du cabinet, non? Merci pour tes conseils sur l'image du cabinet que j'ai créé il y a 20 ans. Et payé pendant 6 mois sur un dossier perdu d'avance. Non, mais attends, on a gagné en première instance. Ouais, mais on appelle, ils vont mettre le paquet, on est fragile, Lisa. Tu sais. Et si j'essayais d'en parler à Eric? Elle voudrait qu'il fasse un article sur elle et je suis pas sûre que ça serve à grand-chose, mais... Il fallait convaincre l'association de payer, c'est tout. Et je sais, Paul, j'avais presque réussi. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle les a appelés, elle les a insultés. Et moi, elle m'a carrément menacée, elle est folle. Alors pourquoi tu veux la défendre? Tu ferais pas un petit syndrome de Stockholm, toi? En même temps, ça vaut peut-être la peine de faire un effort. Vois ce que tu peux faire avec Raïssa Zaki, ce serait dommage de perdre un cas comme ça. Allô? Madame Pradier? Oui, c'est moi. Gendarmerie nationale, ici le brigadier Ravel. Oui. Vous êtes bien la mère du coup, Valorca? Oui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon fils qui est là. C'est mon fils, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Votre prénom. Pradier, je m'appelle Pradier, mon fils c'est Valorca, Hugo Valorca. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je m'enseigne, vous restez là. Vous restez là. Arrêtez, madame. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît, monsieur. Arrêtez, madame. Non, mais c'est mon fils qui est là, c'est mon fils, s'il vous plaît, laissez-moi le voir. Calmez-vous, on s'en occupe. Mais attendez, qui m'a appelé si c'est pas vous? Numéro inconnu. Ça vous arrive souvent d'appeler en numéro inconnu? Je sais, j'ai fait une enquête sur la police et la gendarmerie. Nous sommes au courant, monsieur Valorca. Mais il n'y a pas de brigadier Ravel ici et personne ne vous a appelé. Ah bon, donc on raconte des conneries, quoi. On a inventé tout ça juste parce que ça nous amuse. Donc on peut rien faire? Votre fils va bien, c'est l'essentiel. Je peux rien vous dire de plus. Je suis sûr que c'est eux qui ont fait le coup. Les flics ou les gendarmes, ils continuent de me faire payer pour ça. Mais non, je suis sûr que non. Mais tu les connais pas, t'en emmerdes un, t'as tous les autres contre toi après. Tu crois pas que t'es un petit peu parano, là, quand même? Mais Isa, il se passe trop de trucs bizarres, tu trouves pas? Je peux avoir mon téléphone? Et c'est pas le moment, là, s'il te plaît! De quoi t'as besoin, mon chéri? Je dois faire un exposé pour Histoire de l'art, je dois faire des recherches. Mais comme j'ai pas d'ordi, bah... Bah, va sur l'ordi de la chambre, là-haut. Actuellement, ciel dégagé sur l'ensemble du pays, mais ça y est, l'anticyclone s'est enfin installé sur l'ouest de l'Europe et sur la France. Il nous apporte des vents de secteur sud avec encore quelques nuages élevés sur le quart nord-ouest ce matin et cet après-midi. Oh, pardon. Vraiment désolé. Ça va. Merci. Oh! Ça va pas, non? Connard! C'est à cause de la photo de ta mère qu'ils ont pris ton portable?
Hugo, je te parle. Deux secondes. C'est qui, Anne? Vas-y, file-le-moi, s'il te plaît. Elle t'envoie son numéro. Oh, Hugo, prends-le-moi. Je dois y aller, là. Je vais être en retard. C'est bon. T'es chiant, vraiment. Hein. Mais bouge-toi. Merci. T'es relou. Ça va? Je sais, je te prends un point d'otage. Je suis désolé, mais je peux pas garder Justine. Ça t'embête si elle vient chez vous? Non, elle est là. Elle est en bas. Qu'est-ce qui se passe? Anne est partie. Merde. Elle est où? Elle est à l'hôtel. C'est elle qui a voulu... Elle va récupérer Justine ce week-end parce que moi, j'arrive pas à faire semblant avec elle. Elle sait pas. Non, pas encore. Enfin, elle est pas con, elle se doute bien de quelque chose, mais... Je peux pas lui annoncer seule, tu comprends? Puis comme j'ai plein de trucs à régler, je me disais qu'elle serait mieux chez vous si ça vous embête pas. Non, bien sûr. Mais tu vas pas venir à la maison, toi aussi? C'est gentil, mais j'ai besoin d'être seule. Ok. Lisa, je voudrais que tu me représentes pour le divorce. Attends, Florian, on n'en est pas là. Si. Je suis là pour toi, bien sûr, tu sais bien, Eric aussi. Mais pour le reste, on verra plus tard. Puis c'est certainement pas moi qui vais te représenter pour ton divorce, je suis beaucoup trop proche de vous. Même si c'est toi, mon vieux pote. Hein? Ça va, toi? T'as l'air fatiguée? Un petit peu compliqué en ce moment, ça va aller. Pense à toi, hein? Et pour Justine, y a pas de souci, on la garde autant de temps qu'il faut. Merci. Tu lui dis de monter? Garder Justine quelques jours avec nous. Je compte sur toi pour être sympa avec elle. C'est pas facile en ce moment. Et je compte sur toi pour être présent, surtout. Et voilà. Bon, je te laisse l'aider à installer le lit. Avec le sourire, s'il te plaît. Je dois sortir ce soir. Ah, ça va, tu sortiras demain. Profite de Justine, elle est là. Lisa, tu peux monter, s'il te plaît? C'est moi, j'ai rien demandé. Hein. Mais ça me fait quand même plaisir que tu restes. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, et toi? T'as rien à me dire. Bah, apparemment, c'était une bonne journée. Putain. C'est un connard qui m'a rentré dedans ce matin, j'ai eu super peur en plus. Mais c'est dingue, qu'est-ce qui t'envoie ça? Rentré dedans, mais tu te fous de ma gueule. Le mec, il te prend dans les bras, il t'embrasse dans le cou, puis t'as l'air de bien kiffer en plus, hein? Attends, t'es malade ou quoi? Tu te calmes, tu crois? Je te trompe avec ce mec? Je sais pas. Je sais plus ce que je crois. Au moins, il s'engueule. Ça veut dire qu'il s'aime encore.
Mais merde, elle a disparu. Et quoi? La vidéo, il y avait une vidéo de toi et moi en train de faire l'amour, là. Mais arrête. Mais si, je te jure, une vidéo de toi et moi en train de faire l'amour filmée par cette caméra, là. C'est Hugo qui s'en est servi en dernier. Non, attends, putain, c'est pas possible. T'as raison, là, il se passe quelque chose. C'est le mec qui me saute dessus dans la rue. Le coup de fil pour l'accident d'Hugo. Le selfie de moi à poil sur mon profil. Samy qui débarque alors que personne lui a jamais rien envoyé parce que j'ai vu Lucie, c'est pas elle. Et ça, maintenant. Putain, c'est Raïssa. C'est Raïssa, c'est sûr. Il y a qu'un hacker qui peut faire ce genre de truc, non? J'ai pas voulu la défendre en appel, j'ai pas voulu t'écrire un papier sur elle. Putain, elle va nous pourrir la vie. T'avais pas un pote qui bosse au renseignement? Il pourrait pas nous rendre service, là? Toi, tu joins d'enquêter sur Raïssa? Ouais. Je sais même pas s'il bosse encore. Eric! Attends, on n'a pas le choix, là. T'es bien sur mon répondeur? Laisse un message. Je l'écouterai sûrement pas, mais tu peux essayer. Ça a été Justine, elle est à l'heure? Ouais. Par contre, ce soir, elle veut aller dormir chez une copine. Ah. Anne ira la récupérer là-bas. J'ai eu Florian, on est d'accord. Ok. Pauvre chérie. Tu sais, j'ai réfléchi, là, les trucs chelous. Là. Tu penses pas que ça pourrait être Hugo? Il nous en veut tellement. Arrête, c'est pas possible. Tu le vois pirater mon profil pour poster cette photo de moi. C'est pas possible. Non, je crois pas une seconde. Non, mais t'as raison, il est en colère, ça c'est certain. Je me dis que c'était peut-être une connerie, le changement de lycée. Je m'en vais de t'avoir laissé gérer ça tout seul. C'est moi qui ai voulu aussi. Là, j'étais un peu dépassé. Écoute, ce soir, je l'invite au resto et je lui parle. Bonjour, je m'appelle Hugo. C'est Anne Valdez qui m'a passé votre numéro. Je suis le fils d'Isabelle Pradiva Lorca. Est-ce que je peux? On pourrait se rencontrer. Bon, Raïssa, c'est encore Isabelle à l'appareil. On peut pas avancer si vous me rappelez pas. Hein. Moi, je vous lâche pas, mais il faut qu'on se parle. Vite, rappelez-moi. Dis-moi. Quoi? Attends, tu veux dire qu'il n'est pas du tout allé en cours, là? Mais t'as essayé de l'appeler? Marie, essaye, s'il te plaît, faut que j'aille au tribunal, là. Ok, à tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas pour le chauffe-eau, il sera remplacé très vite. D'accord. Je souhaite une très belle installation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est Eric, le père d'Hugo. Dis-moi, tu sais pas où il est? Non, on n'arrive pas à le joindre depuis ce matin, là. Quoi? Quelle photo? T'es où, là? Ok, bouge pas, j'arrive. Allô? Allô? Ouais, non, en fait, je suis pas là, laisse-moi un message.
c'est moi qui l'ai posté, mais c'est pas vrai, j'ai jamais eu de cette photo. Tenez. On m'a piraté mon compte. C'était quand, ça? Avant-hier. Mais t'as pas de nouvelles depuis? J'ai essayé d'appeler, j'ai dit que c'est pas moi, mais il me croit pas. Il me répond même pas, en plus. Tu sais pas du tout où il peut être. Chris, arrête, s'il te plaît. On est inquiet, on n'a pas de nouvelles depuis ce matin. Il croit que vous êtes pas son vrai père. C'est quoi ces conneries, là? Je sais pas. Quelqu'un lui a dit ça, je sais pas qui, que... que vous avez eu un amant. Avant qu'il naisse. Je crois que ce type-là, c'est son vrai père. Il voulait aller le chercher. Hugo, c'est papa. Écoute, ce serait bien qu'on arrive à se parler autrement qu'en se faisant des reproches, hein? Et je suis désolé. Tu me rappelles, hein? Je t'aime. Putain, c'est quand même dingue qu'il faille attendre 24 heures pour lancer des recherches. T'as vraiment eu un amant? Mais ça va pas. C'est Raïssa qui lui a mis ça dans la tête. Non, c'est pas Raïssa, non. Ah bon? J'ai eu mon pote des renseignements. Il m'a confirmé qu'elle avait eu aucune activité informatique suspecte depuis sa mise en examen. Je cherche le portable d'Hugo, j'ai déjà regardé, mais il y a un code. Non, mais c'est mon ancien téléphone, il y a mon empreinte dedans. Il a peut-être pas effacé. Yes. Il faut que je te parle. T'as intérêt à être chez toi. Je suis en route.
Quelqu'un ? C'est moi, c'est Hugo. Asseyez-vous. Nous avons besoin d'éclaircir quelques points. Elle est où, Justine ? Vous la verrez plus tard. Maintenant que votre mari est sorti d'affaires, est-ce que vous pourriez nous expliquer... Écoutez, c'est compliqué. C'est notre histoire. Non, on parle d'Hugo. C'est pour nous parler d'Hugo ? Vous m'avez fait venir ici ? C'est quoi ce message ? C'est quoi ça ? J'ai jamais écrit ça, je vous jure, j'ai pas revu Hugo depuis votre fête. Allez-y, vous pouvez vérifier. Je suis sur aucun réseau social, j'ai hors de ça. On va vérifier. Je peux voir ma fille, là, maintenant ? Venez. Oui, t'es là. T'as pas le choix. Mais comment ça ? Tu sais pas si ça va aller. Papa, il est à l'hôpital parce que t'es partie. Tu la crois ? Oui. Alors c'est qui si c'est pas elle ? Je suis juste venue pour vous parler. S'il vous plaît. Ok, j'ai deux minutes. C'est pas moi. J'en ai rien à foutre de votre famille. Non, mais on vous accuse pas, on sait que c'est pas vous. On vient vous demander de l'aide, là. Pourquoi vous appelez pas les flics ? Bah, ils feront rien. Ils nous prennent pour des parano et ils me détestent, en plus. Ils sont nuls, surtout. Vous avez gagné une compétition ? Ouais. C'était à la Hack Shadow Convention à Berlin. Prix de la lanceuse d'alerte de l'année. Classe. Pourquoi ?
pourquoi ce serait à moi de m'occuper de votre bordel? Parce que je vous défendrai un appel, gratuitement. Et moi, je ferai un papier sur votre affaire. Raïssa, s'il vous plaît. Vous êtes notre seul espoir, là. Ça fait 2 jours qu'il a disparu. Bon. Ça a commencé quand et comment? Son nom, c'est Valorca. Comme le journaliste. C'est mon père. C'est lui qui t'envoie? Réponds quand je te parle! C'est lui qui t'envoie? Non, personne ne sait que je suis là. Qui t'a donné mon adresse? C'est vous. Quand c'est lui au téléphone. Arrête de crier de ma gueule. Personne m'a appelé! Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tu penses? Maintenant, on se parle plus avec des smartphones ou du matos informatique à côté. Il suffit que vous ayez ouvert un spam pour qu'il infiltre tous vos appareils. Moi, je vais me connecter à tous vos téléphones, ordinateurs, textos, caméras, micros, tous vos réseaux sociaux. Donc si le Black Hat essaie de s'introduire quelque part, je le verrai tout de suite. Le Black Hat? Ouais, c'est un... C'est un hacker malveillant. On va dire qu'il y a 2 types de pirates informatiques, ok? Les Black Hat et les White Hat. Le Black Hat, par exemple, c'est le gars qui va faire des virus, qui va détourner des fichiers clients, bloquer des sites d'entreprise pour demander une rançon derrière. Et le white, c'est gentil. C'est ça, c'est des hackers éthiques. Ils vont rechercher des failles dans les systèmes de sécurité qu'ils vont mettre à jour, mais sans demander d'argent derrière. Non, parce que nous, on ne nous a pas demandé d'argent. Non, mais parce que je pense que vous, on vous en veut personnellement. Vous inquiétez pas. Quand on saura où est votre fils, on aura déjà un début de réponse. Mais bon, si vous lui aviez laissé son smartphone, ça aurait peut-être été plus facile. Vous êtes sûr que ça va aller, le canapé lit? Ouais, je suis sûre. De toute façon, je vais pas beaucoup dormir. Bah comme ça, on sera 2 insomniaques. On va le trouver, hein, flippe pas. Bon, je vais me préparer à manger. Il y a quelque chose que vous aimez ou... Ouais, qu'on me laisse bosser tranquille. Et qu'on me tutoie. Ok. Ne dérange pas. De toute façon, j'en ai besoin pour bosser. Non, pas de soucis. Thank you.
nationale, j'écoute. Allô, je vous écoute. Je m'appelle Eric Valorca. Je suis armé. Je vais tuer ma femme. Je vous préviens, si je vois un flic, je le déglingue. C'est votre numéro. Et la géolocalisation indique votre domicile. C'est pour ça qu'on s'est permis d'intervenir. Mais comment c'est possible? Il utilise un logiciel qui permet d'appeler en se faisant passer pour n'importe quel numéro. J'imagine que c'est impossible d'en remonter jusqu'à la personne qui a passé l'appel. Impossible, ça passe par le Darknet. L'adresse IP change en permanence, c'est intraçable. Il y a du nouveau. J'ai trouvé le dernier bornage d'Hugo. C'est où? C'était hier, à Saint-Romain. Saint-Romain. Vous connaissez quelqu'un là-bas? C'est à cause de ça. C'est Eric qui a fait l'enquête. À l'époque, ils sont tous tombés, sauf lui. Vice de procédure, il a échappé au procès. Serge Allan. On l'a même soupçonné de meurtre. Sa mère venait de Saint-Romain et c'était son pseudo dans le groupe. C'est pour ça que tu t'es fait tâche de ton journal, non? Les gendarmes contactent leurs collègues de Saint-Romain et ils nous rappellent après. En place de la colonne. Allez. C'est bon, allez-y. Je vais vous demander d'aller vous mettre en sécurité. Vous mettez pas mon fils en danger, vous me promettez. Non, faites ce que je dis, s'il vous plaît. Monsieur. C'est bon? Ouais. On est en place. Allez, on y va. Vous me saoulez tellement. Vous, ce lycée pourri. Chris. Mais moi, en fait. J'étais mal tout le temps. Et quand elle m'a dit que... Enfin, quand j'ai reçu ces messages... J'ai cru que c'était vrai. Que... Ça expliquait pourquoi j'avais l'impression de pas être à ma place dans cette famille. Je te demande pardon. J'ai jamais eu d'amant. Ni l'année de ta naissance, ni jamais. C'est cette ordure qui t'a fait croire ça parce qu'il en veut à ton père, c'est tout. C'est de ma faute aussi. J'ai pas été assez à l'écoute. J'ai pas vu que t'allais si mal. C'est pas grave. Je te promets que maintenant, ça va être différent. Hein?
je promets. Rien ne prouve que ce Serge Allan soit votre hacker. Attendez, Hugo était chez lui, il a été brutalisé, vous avez bien vu ça? Oui, il est coupable de séquestration avec violence, il va être déféré pour ça. Pour le reste, il a un vieil ordi, une connexion pourrie. Peut-être qu'il a un QG ailleurs. On cherche, mais on trouve pas. C'est impossible. Non, mais c'est vrai que le mec, il avait l'air surpris de me voir. Je sais pas, j'ai vraiment pas reconnu sa voix. Je pense que c'était pas lui au téléphone. T'es sûr? Oui. Est-ce que c'est bon? Ce connard vient de me niquer tout mon système, d'accord? Il a pris le contrôle, je peux plus rien faire. C'est pas le bon mec qu'on a arrêté. Non, c'est pas le mec qu'on a arrêté, non. Là. Le Black Hat, il est bien là, il est bien actif et bien balèze. Ok? Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Aïssa? Je vais la chercher aux urgences. Elle est bien amochée. Hein. Mais bon, a priori, il n'y aura pas de séquelles. C'est un cauchemar, ça finira jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Le journal a reçu un mail anonyme comme quoi les flics auraient débarqué chez nous parce que je te frappe. Quoi? Ils veulent plus entendre parler de moi. Mais non, mais attends, on a qu'à dire aux flics de les appeler pour dire que c'est pas vrai, c'est tout. Non, ça sert à rien. Le mal est fait. De me taper ton fils? Pour te venger, oui. Venger? Attends, de quoi? Quand j'ai mis fin à notre histoire, t'as pas menacé tout balancer à Isabelle, peut-être? C'est malheureuse, ouais. Mais je l'ai pas fait au final. J'ai passé à autre chose. Depuis longtemps. Alors pourquoi Isabelle reçoit les mêmes textos érotiques que je t'envoyais à l'époque? Quoi? Ma flamme. Ma flamme, il n'y a que toi que j'ai appelé comme ça. Elle a reçu le même texto mot pour mot, je me souviens très bien. Mais c'est qui lui envoie ça? C'est ce que je te demande. Laisse-moi t'expliquer. Isabelle, c'était il y a des années. Non, arrête-toi. Tu t'en vas, s'il te plaît, tout de suite, Eric. Non, mais attends, ma chérie, tu peux pas... Non, non, ne touche pas! Tu me touches pas! Non. Tu prends tes affaires et tu te casses! Casse-toi. Casse-toi! You need morphine, I'll sample each portion. Battle me catastrophe, your dad'll be dwarfing. Clap up your family, that'll leave orphans. That's one black swan, Natalie Portman. Sounds like something I would say in the life.
J'aurais jamais cru que ça puisse nous arriver. À nous. Tu te rends compte, il y a quelques mois encore, on était tellement amoureux. Je suis désolé pour vous trois. Mais tu sais bien que si je peux faire quelque chose... Je sais. T'as déjà été très patient, vraiment, je te remercie. Je vais rattraper mon retard, t'inquiète pas. Ouais, ouais, tu vas y arriver. Mmh. Et on en est où pour l'appel de Raïssa Zaki? Rien. Hein? Disparu d'un radar. Zéro nouvelle. Et ton fils, ça va comment? Écoute, ça va plutôt bien, je trouve. Ça l'a fait grandir, je crois. Puis bon, il a de la ressource, je m'inquiète pas pour lui. Sinon, je vais fêter mon anniversaire une dernière fois à la maison, avant de la vendre. Ben, c'est parfait, ça. Donc, je viendrai avec ma fameuse tarte au rognon. Fais gaffe, je t'ai pas encore invité. Il est hors de question que toi et tes origines anglaises viennent gâcher ma fête. D'accord. Moi, plus tard. D'accord, donc on dit demain 15h. Monsieur Dajou, l'appartement, il est bien au 36 avenue Thiers, c'est ça, hein? D'accord. Je vous remercie. Merci, à demain. Bonjour, vous êtes sur le portable d'Isabelle Pradier. Merci de me laisser votre message. Oui, ça, c'est encore moins. Là, il faut qu'on se parle. Hein. Tu peux pas me laisser comme ça, c'est pas possible. Rappelle-moi. S'il te plaît. T'as fait semblant, comme je t'ai dit? Ouais, j'ai dit que t'avais disparu. J'ai parlé à Paul de ma fête devant l'ordi allumé. C'est bien. Il est toujours là, hein. Il continue à vous écouter tous. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il a fait complètement exploser notre famille. Qu'est-ce qu'il veut de plus, qu'on crève? Je sais pas. C'est une bonne chose qu'il soit là. Je pense que son plan a marché, il est en train de relâcher son attention. Il va faire une connerie et là, on va le choper. J'espère, parce que j'en peux plus. T'as conscience qu'on va pas pouvoir se passer d'Eric sur ce coup? Ok, je vais l'appeler. Allez, lâche pas. On va y arriver. Moi, je serai le juge et aussi le jury. Je réglerai ton sort par ce verdict. La mort. Thank you.
Salut Samy. Merci d'être venu. T'es très belle. Merci. Oh, c'est adorable. Tu viens? C'est dégueulasse, c'est belle, mais non, non, on va faire un effort. Où il est, je ne vois plus. À l'intérieur. Ah bah t'es là. Je te cherchais. J'en ai marre de jouer. Est-ce que c'est un jeu pour toi? Bah non. Non, justement. Pourquoi on continue à se cacher? J'ai déménagé, t'es séparé depuis des semaines. On va pas continuer à se parler par texto toute notre vie, non? De quel texto tu parles, là? Jamais envoyé ça. Putain, c'est pas lui, on s'est trompé. Si c'est lui. Moi, je serai le juge et aussi le jury. Dis le rusé Fury, je réglerai ton sort par ce verdict. La mort. Attends. Écoute, ça fait des mois qu'on est harcelé par un hacker. Je suis désolée, mais je pense que t'as été manipulé aussi. L'annonce de la maison, c'est bien toi qui me l'as envoyé. Je t'ai jamais rien envoyé, aucun message. Samy, attends! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui, il a été piégé comme nous. Faut prévenir ton père et Raïssa. Ils ont pas leur téléphone. Merde, c'est vrai. Fais là, toi. Je voulais vous parler à toi, Yama. Non, écoute, vraiment, c'est pas le moment. S'il te plaît, Isa. On est tous en train de se détruire, là. C'est un petit peu tard pour t'en rendre compte, non? Qu'est-ce que vous faites là? Bon appétit. Merci. Il te reste quelque chose, Hugo? Arrête, Rick. Arrête, c'est pas lui. Lâche-le. Lâche-le, c'est pas lui. Il a été manipulé comme nous. Mais Raïssa, c'est pas lui. Je sais. Vous êtes complètement malade. C'est bien qu'on se parle. T'es où, Justine? Dans la voiture. J'ai juste besoin de 10 minutes, s'il te plaît. J'ai rien à me dire. Attends, Florian, je...
livré la semaine dernière, j'ai cru que c'était une erreur. Ça, c'est parce que le hacker voulait qu'on le trouve chez toi. Pourquoi moi? Il me connaît? Ouais. Il vous connaît tous. En fait, moi aussi, je le connais. Venez voir. Le mec, là, c'est qui? C'est Florian, c'est mon meilleur ami. Vous vous rappelez de mon prix à la Hachiado Convention? Ouais. Regardez. Florian. On était assis à côté dans l'avion. Son pseudo, c'est Fantôme. C'est tellement pourri, ça s'oublie pas. C'est pas possible, là, c'est du délire. Mais attends, cette photo, elle prouve rien. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'il serait en train de se diriger par ici en ce moment même? Quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus. Passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. Tu veux appeler qui? Les secours! Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer des secours, s'il vous plaît, au 42 rue de la Bouleraie, à Lenton? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est blessé. S'il vous plaît, 42 rue de la Bouleraie, à Lenton. On vous envoie quelqu'un. Merci. C'est Eric qui l'a frappé. J'arrive pas à aller. Mais il est où, Eric? Je sais pas, il s'est barré. Mais pourquoi ils se sont battus? Cherche pas. C'est moi. Avec le matos que t'as laissé dans ta caisse, connard. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Demande à ton mec. Je crois qu'il t'a pas tout raconté. Tu vois pas qu'il est encore en train de nous embrouiller, là? Si tu cherches ta mère, elle est dans le jardin. Ça te saoule d'être mon frère? De quoi tu parles? Quand on a le même père, on est frère. Ou sœur. Mais mon père à moi, c'est Eric. Oui, c'est... C'est mon père aussi. J'ai entendu mes parents dire ça quand ils sont engueulés. Tu veux savoir pourquoi? Ouais. Tu veux comprendre? Ouais. Je suis stérile. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Justine, c'est pas ma fille. J'ai fait des examens quand on voulait un deuxième enfant. Je suis stérile depuis toujours. Quand j'ai appris ça, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Alors j'ai fouillé dans les affaires de Anne et j'ai retrouvé son vieux portable. Avec tous vos textos, qu'elle avait tout gardé. J'ai failli en crever, putain! C'est toi, le père de Justine!
Alors j'ai voulu te faire endurer ce que moi j'avais subi. Te laisser la joie d'imaginer ta femme dans les bras d'un autre homme. Envoyer ton fils chez ton pire ennemi. T'as détruit ma famille, j'ai détruit la tienne. On est quitte maintenant. Mais Isaac, qu'est-ce que t'as fait? Il voulait être sûr que je te pardonnerais jamais. Je suis désolé. Tu mérites mieux que lui. Pars-toi. Il est où, papa? Il est parti. Mais je suis sûr qu'il va revenir. Ma chérie, on y va. Non, je reste. Ouais, personne ne se casse. Vous allez arrêter de nous prendre pour des cons et tout nous expliquer. À Justine et à moi. Vous avez raison. Franchement, je te le dis, t'as assuré. T'as vu, ça marche mieux quand on arrête d'insulter les gens aussi. Attends, excuse-moi, mais si je m'étais tenue à carreau, on n'en serait pas là, d'accord? Ouais. Puis, surtout, si j'étais pas là, t'aurais encore ton hacker sur le dos. T'as des nouvelles, d'ailleurs? Bah, la police est toujours censée le chercher, mais bon. À mon avis, depuis en France, ça doit être loin, non? Mm-hmm. Et alors, avec Eric, vous en êtes où? Je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Il va nous falloir un petit peu de temps, je pense. Et la petite? Écoute, Anne la dépose une fois par semaine, apparemment ça se passe très bien. T'as réussi à lui pardonner à cette conne? Ça va. Bon, et toi alors? Comment tu vas? Nouveau combat en vue? Ouais, peut-être. Tu me défendras? Contre l'industrie du tabac? On a tous nos contradictions, c'est bon. Bon, on fait quoi, là? On va boire un coup? Non, je suis désolée, je peux pas. Faut absolument que j'aille chercher Hugo. Je te dépose? Non, ça ira, c'est bon. Écoute, j'ai appelé Eric pour le remercier pour l'article. Et il m'a dit qu'il voulait faire un bouquin. C'est bien. Ouais. Lui aussi, c'est un mec bien, je crois. Merci. Allez, allez. Bon, Picasso, faut que je bouge. Mais non, pas encore, j'ai pas fini, s'il te plaît. Moi, c'est parce que c'est toi, hein.